كمل ذرني حسن حراش مسلايد نا فوم جنادي قلان يا غمشوار نسين ديال جاز نكير ايماش عم بانك مسالي الحاج او يفهم مسالي فنش تاكير مثل ما تسقسي فرانسيس حراش حسن في ان كومباراتيف سور لو سور دي دو زوم مسالي ايماش سي كوا لا ديفيرونس دو تريتمون. جسمو رشيد حسن حراش الى في يسيد في ران كومباراتيف وكنا ديزر يوان كومون اون بو دير اون ريزيرفي كومون الى ايتي في او كومون الى في بار اون بو دير بار دوتر برينسيبالمون سور ان بلان بوليتيك سور ان بلان هيستوريك رابور ا لور ايماج دونك il est justement Msali qui est le fondateur du MNA la concurrence il le fait ils ont même créé un mouvement armé il y a eu des luttes justement fratricides et passe le mot donc hier les Algériens français des messages bhal wakina dili un mouvement contre le FLN donc Msali el Hadj yoni lan il faut que le FLN Msali Diouni Len est donc il mout le 3 juin 1974 Fransa et il est considéré contraire par le FLN et par donc pendant aussi le congrès de la Souma avant d'être réhabilité par Bouteflika en 2007 avec la venue même du président François qui a participé justement pour la réhabilitation de la considération, on peut dire, qui est donnée et Msali el Hadj, alors qu'il est considéré par les combattants du FLN 54-62 et par, dans les résolutions du congrès de la Souma en 56, un idnan clairement Msali el Hadj, yonilan ikhda fegraounan lze. Donc, il y a des perspectives tracées par le FLN pour libérer le pays. Et d'ailleurs, c'est pour ça que justement, il y a un mouvement armé contre le FLN. Et France a saisi, le colonialisme français a saisi justement cette divergence pour pouvoir créer des luttes intestines. Il y a des forces qui existent. Oui, il y a un moment donné, Yoni Lanimouth le 7 février 60, c'est un laïc et Yoni Lan donc n'a pas vu son indépendance de mort. Yoni Lan nous a fait de mort fils. Il a sacrifié toute sa jeunesse. Il voit que justement de toute sa jeunesse est consacrée pour la libération du pays. Aucune reconnaissance officielle à la hauteur de l'homme et de ses actions et de son parcours. Mais il a, c'est-à-dire, Hiraj Dadaka, il a essayé de citer une citation Annie et de Karan Beli, un martyr qui n'a rien vu, c'est quelque chose qui n'a pas vu l'indépendance, il laisse un héritage intellectuel et une pensée révolutionnaire considérable. Et c'est le cas de Amr Aymash, qui est un garou de Zara Fideli, un témoin de Mourthis, qui est justement un héritage intellectuel et une vision, une pensée révolutionnaire importante. Et voilà la différence. Et donc, il est réhabilité, il est considéré, alors que pendant la révolution, il a été contre le FLN, contre la révolution, et Giljahanetan Amraimash, il a contribué dans la révolution en conseillant, en étant conseiller proche des responsables du FLN, ALN, Nilan Mlates. Dionilan, il n'est pas considéré, il n'est pas réhabilité, il est ignoré, et c'est pour ça justement
Hassan Hirash a rendu hommage et intitulé son article qui parle de d'Amr Aymash. Voilà, Rachid, la différence qui existe. Yoon dit justement, Ani, pour des raisons tribales, Msali qui est de l'Ouest, Bouteflika de l'Ouest, donc ils ont le pouvoir, ils l'ont réhabilité, et Amr Aymash, parce que Dakbaydi, donc on se situe et on est ignoré, et rares les personnalités qui en parlent de lui pour le réhabiliter. كان مثل كمال سيدي تدون مس حسن حراش امسلاي دارني في ونقيس ديال غوغان بنجامين ستورا اف كان ميكان اي وسلوين فرنسا ايمانويل ماكرون او يوفان كمال دين داشي دينا حسن حراش فو نقيس كي بون بو ريزومي ليسونسييل داشي ديوسان كيوين Hassan Hirash fait les choses, il rapporte cela. D'abord, il n'est pas lié, il rapporte comme on va sentir, on va lire des interprétations du pied noiriste, quelque part, du pied noir, sur. Donc, en quelque sorte, dans chaque paragraphe, on sent qu'il y a cette lecture. Pierre Noiriste mais il n'est pas considéré comme étant une lecture communautariste. C'est comme si Hassan Hirash dit Karbli le communautarisme de Nekni, c'est-à-dire juste quand il dit je dis on fait on fokbaili, mais les autres les historiens Nouyot, Nertamour Linsen, il est vu comme étant on peut dire fait partie du savoir, c'est un point de vue scientifique, mais d'entok il on a dit je fokbaili Nertamour fokbaili fait une autre lecture, là il est directement disqualifié et vu comme étant des lectures communautaristes. Donc, dans le cas de Naya, justement, Hassan Hirash, je parlais réellement au fond, il n'a pas lu, donc en tant qu'historien, a livré un discours euphémique et lobbyiste, c'est-à-dire, c'est comme s'il a essayer d'atténuer la dissonance, la violence, par exemple, les exactions, même, je pourrais dire même de Hassan Hirash, il parlait, dans son texte justement, évite de parler et d'utiliser des concepts bien déterminés, c'est-à-dire, Ined Belli, Sora a volontairement, on peut dire, omis de citer. Il y a eu des exécutions sommaires massives de la part du communisme français. Il y a eu des bombardements de Napalm. Il y a eu des viols, des crimes de guerre ou d'État qui sont maquillés en utilisant justement comme terme de violence, exaction, répression. Donc, pour ne pas prononcer le concept et des termes bien clairs comme crime de guerre ou crime d'État. Donc, c'est pour ça justement, Hassan Hirash a parlé de l'influence de certains lobbyistes. Il fait bien, Emmanuel Macron. Il a reconnu la colonisation comme étant un crime contre l'humanité, mais après, c'est comme avec la pression justement des lobbyistes, il s'est rétracté, il a essayé un petit peu de changer un petit peu de discours. Winnet, justement, pendant la révolution algérienne, il a parlé d'une OAS, donc l'organisation armée secrète, soutenue et aidée dès sa création par le Mossad. Cité par un historien israélien, Yitzhak, les guerres secrètes du Mossad, écrit en 2012. Donc, ce que Stora a ignoré. Donc, il a voulu ignorer un certain nombre de réalités historiques. Voilà, Rachid, ce qui a été émis comme critique par rapport à Stora de la part de Hassan Hirash.
تنميرث كمال ذا شكاريا وين ساسقسي ويس سديس ويس سان ذاكن حسن حيراش يفكاد ذا شوك لقن أخذ من سنة تما وين كاين الجزائر فرنسا فرنسيفين وكني هذه اللي أين منقى اسم سوغال نال لا ريكونسيلياسيون جيرس تما زعما في دينير فرانسيس وسياكين حسن حراش a donné la condition essentielle pour réaliser une réconciliation sérieuse entre l'Algérie et la France. Peut-on savoir c'est quoi cette condition, Kamel? Justement, Hassan Hirash, il a dit que la véritable réconciliation sérieuse, il a dit que la France va reconnaître d'abord ses crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Et il a dit, ça c'est la condition, on peut dire préalable. C'est un préalable, c'est un préalable. Il a dit que la France va reconnaître vers un partenariat d'exception. Et Hassan Hirash, c'est possible, il peut y avoir des relations bilatérales exceptionnelles entre le Zaïre, le Français, le Chou ou le Zmri Meg, mais là, il n'y a pas une reconnaissance, on peut dire de manière adulte et sérieuse. Hier, surtout, il y a justement le Français, il va reconnaître les crimes commis. Pendant la colonisation française, donc des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre sont en Algérie. Et où c'est une nécessité historique. Et où ils vont établir des relations sérieuses et à long terme et tourner la page. Et où même le FLN, il a justement aussi de s'amender, de reconnaître dans tout le monde avant et après l'indépendance, les erreurs donc même par rapport au FLN. Oui, justement, le pouvoir militaro-FLN, donc il veut parler du FLN après l'indépendance, il n'a dit oui à Dildi. L'espace politique, donc il a un arme à certaines, à un processus démocratique tangible. Ce n'est pas la pseudo-démocratie, ils réduisent la démocratie à l'élection, alors que tout est truqué, aucune base sérieuse, tout est fermé, personne n'a le droit vraiment de s'exprimer. Donc c'est pour ça justement, Hassan Hirsch, pour le président, Azabou Nelzayer, qui est un pouvoir militaro FLN, c'est-à-dire l'édit du parti unique, parce que il faut de la vérité, même si j'adore l'exemple, il y a un multipartisme, mais réellement au fond, c'est de la pseudo c'est un pseudo-multipartisme. Pourquoi? Parce que c'est si on peut dire, une existence formelle, mais dans la réalité, il n'y a personne qui peut arriver au pouvoir dans les conditions actuelles. Donc, il n'est justement, c'est seulement dans ce cadre-là que la mémoire d'Aimash pourrait trouver sa place. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une certaine transparence et de corriger ces erreurs-là. Et Winnet, justement, sans ces conditions, sans ces préalables, la réconciliation entre les deux pays serait prématurée, voire dangereuse. Ça veut dire, Bli, qu'il y a eu qui a dans la réconciliation. Sans mettre ces points-là au clair, inédit, c'est prématuré, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas à l'ordre du jour actuellement, et même inédit, c'est dangereux encore de parler de la reconstitution. Blema, il va assainir la situation, de part et d'autre, du côté français pour la reconstitution par rapport à leur crime contre l'humanité de guerre, et il faut aussi qu'ils reconnaissent ses erreurs, parce qu'il y a eu des assassinats politiques, il y a eu le parti unique, on a combattu tous les militants qui ont lutté pour Samazir, pour la démocratie, pour les droits de l'homme, et donc il a dit une page nouvelle, C'est
أنا ميثا كمال كان يدنو ساعة تجارة كن خدم يلتي كلتا كمال سيان جارو زغيت ذا شوث ذا تشوث تمسيرين نا إلمو ذن لزان سينيمون نزمت نسوفا سي ثوى ساكير إيغورا ماس حسن حراش تتسمتير إثيكل نظام تيني ديورا أسن تسا ذي فورا ذي جورميس الماتن دالجيريا ثاني مسمى 61 سكوسن سند نتمتسنت نو غازو مزروي امبران ايماش امبار اتون اكيكي يوغاد تسمون امزروي ناس فرانسيس 61 ans après ايماش امبار الهستوريك اوبليي بار دو سيرتان زيستوريا ذا شو تني هي اكيد نا كمال لي زونسينيمون اتيري دو لا كونتريبيسيون دو حسن حرش. Et voilà, Rachel, j'aimerais bien citer une vision, un point de vue de l'historien français, Fernand Braudel. Il y a trois sortes de temps. Il parle du temps long, qu'il assimile au temps géographique. Il y a le temps moyen, qu'il assimile au temps cyclique, c'est comme un cycle, tout un cycle. Des événements, on peut dire, qui reviennent, et le temps court, il est assimilé au temps de l'événement. Donc, si le temps lent, c'est un peu la géographie, on parle de géographie, le temps moyen, c'est le cyclique, et le temps court, c'est un peu plus par rapport à l'événement. Donc, on peut dire à une certaine conjoncture. Donc, il est au cœur de la mémoire collective. Nous doutons, l'importe, ou d'une nation, et dans l'histoire d'un Mzroug, c'est l'ensemble des références et, à partir duquel se construit une grande partie de l'identité du groupe social. Donc, à dire pourquoi il y a falsification de l'histoire, on va changer l'identité du groupe. Donc, c'est pour ça que justement, le pouvoir, à travers les manuels scolaires, on falsifie l'histoire pour pouvoir transformer et changer l'identité d'un peuple et faire croire que, par exemple, Agdoud, Asnani, Ani, Djitbelatas, même la constitution Hala, par exemple, le Qa'al Zayr, c'est arabe, Agdoud, va arabe, et c'est pour ça, justement, en 62, déjà, Ben Bella, et en Tunisie, Zayr, Tamour, Ta'arab. Donc, falsifier l'histoire, c'est pour changer l'identité d'un peuple. Et donc, c'est pour ça, justement, Mzroug, c'est un enjeu politique et un enjeu stratégique très important dans la construction d'une nation. Donc, c'est pour ça, justement, l'instrumentalisation du passé à des fins politiques, qu'on peut retrouver qui venir dans les manuels scolaires, est très important. Donc, c'est pour ça, justement, l'instrumentalisation de l'histoire est particulièrement manifeste dans les régimes autoritaires. Donc, comme le régime algérien, tellement c'est un régime autoritaire, on impose une lecture d'histoire, et c'est pour ça Mzroug, Sremnet, pour des raisons à des fins politiciennes, politiques, donc Annie, surtout, donc, il est manifeste dans des régimes autoritaires Amelzek. Donc, c'est pour ça justement les historiens. On ne peut pas anticiper rationnellement l'avenir sans une connaissance préalable de l'histoire et des enchaînements conduisant aux crises et tragédies passées. Ça veut dire que nous lisons Mzrouyis, nous lisons Mzrouy, nous lisons Nirentemur, ou l'Izmirat Diazar, HODM qui date 30, Thrufa Izet. Donc, Kherawinilan, Isne Isn Mzrouyis, Izmrad Yazar, Amfidat Rouhan Tufa Izet. Et c'est pour ça justement, Imaj Amar, il a été occulté volontairement à Khatar, ou Lesh, Winil Hakan et Udabu, Wadif, une lecture juste de l'histoire. Donc si on a réhabilité Msali, à Khatar, il Hakiyouen, Ntamanat l'Ouest, qui est Boutflika, ou Til Hakim, et celui qui a réhabilité quelqu'un qui est de sa région. Donc la région de l'Ouest,
Et on n'a pas réhabilité, on n'a pas donné de la considération. Et Amesh Amorner et Atas Bouyot, Nikhdemen, Amzrouy, Nilzayer. Donc c'est pour ça justement, l'histoire doit être, on peut dire en quelque sorte, l'histoire doit être justement loin de ces lectures politiciennes. Il a ça à faire de Rioun et Ougdoud et Wakenzmer de Nevenou. Fimoura à base, on peut dire quelque chose de solide. Donc c'est pour ça justement, Aïmash Amar dit on y l'aime. Il a plaidé, il a manifesté sa démarche politique. Il a la coutume berbère fera partie, on peut dire, même qu'ils aient la pré-indépendance, on va prendre en considération la structure. C'est-à-dire la structure sociale traditionnelle, le Qbayel, un Jmaat, justement, le Jerewen, un Sdewen, Tijmaïn. Donc, en quelque sorte, c'est un petit peu une lecture qui est en relation avec les coutumes et la culture, le Qbayel, qui peut être utilisée comme étant un mode de gestion. Oui, ce qui est important, pourquoi justement Hassan Hirash a rendu hommage à Amr Aïmash, c'est par rapport à ce que Dakbaïli, il a été ignoré, et en même temps, justement, à travers justement le mouvement national, on a écarté, il faut dire la vérité, le Qbayl, qu'on les appelle les gêneurs kabyles, qui ils gênent un petit peu parce que c'est un Timourli, Mkhalef. Justement, puis qui défendaient la culture arabo-musulmane exclusiviste et d'exclure justement la dimension amazigh. Et c'est pour ça, justement, Rachid, pour conclure par rapport à l'Ifaroufdaka, malheureusement, la lecture de l'histoire, elle dépend de celui qui détient le pouvoir. Et c'est pour ça, justement, Adnokol, Blitamourt Lkbayel, il a cassé justement ses propres institutions. Il n'y a aucune, justement, de relire l'histoire d'une manière juste et de donner. La vraie dimension justement qui va on peut dire réhabiliter en quelque sorte être réhabilité et de vivre en son harmonie avec sa vraie histoire, avec cette dimension millénaire amazigh, et parce qu'on veut justement occulter cette dimension, et c'est pour ça qu'il y a eu la crise anti-berbère en 49, et parce qu'on a voulu en quelque sorte imposer une lecture d'histoire, on a voulu falsifier et manipuler justement Amzrouy et Wakken. Justement, on va changer l'identité du peuple algérien qui de plus en plus justement cette dimension-là amazigh et n'qassan même ouïli qui a d'rant amazigh et wachou a khatart la politique d'arabisation, la politique d'islamisation, donc n'qassan les locuteurs n'a d'rant amazigh, et c'est pour ça justement il n'y a que l'action politique, il n'y a que les institutions. Il faut, on peut dire, décrocher le pouvoir des régions. Et Wakken, Adichmiou, Antasarti, Nilan, Thelak, et Wakken, justement, la dimension amazigh soit dans les institutions de l'État. Ce soit Ameneshouden, l'enseignement de la langue, l'enseignement de l'histoire, l'enseignement de la civilisation, et Atas, Nehrishin, Wakken, Deklin, Wakken, justement, l'histoire soit corrigé et il va traduire la réalité, on peut dire, du terrain, c'est-à-dire la dimension amazigh dans la construction du pays. C'est-à-dire, en quelque sorte, cette dimension amazigh avec le temps, avec l'arabisation et l'islamisation de la société. كان مي فك مالك كان النسافة جرا إلهام ولكن جود النهض ذو القرار ثم تستقبل تسعون تدسي وين النساتيس ثاني ناكيت النقار يلتك يلتك تدس متاذ يلتك تكمل ذاك من سعى ليز انستيتيوشن بوليتيك نار نسعون إغرفزنا ذي غرفزنا الدحكون أمزوي تموت ثاني قبليا تمزغ سومتا أكني وثم تشكني إجلا أكثر سوذ من تكن كاس سلام على ويد دي توالين تيكو 5 تاع جوسن صلاتك دي بوين غاف ثواس دي بوين ح
حسن حرش أسن تساد دي فورا ذا قرميس ماتان دالجيري إي بو دوال أغا فورجيز أم زروي أم قران أقبيلي ميس نف مصباح ذي لا جث دولان إماش أمر إجلان نتاني ذي بفاث نعدم سبداد نيثرين تفريق توقفان عن تمزغا إم القرن إميران لطوال نور أفريكان كثير دينا كمال إميران ولا شوالك المغرب من كان يتسنو الفن تصدق عن سنة وكني أتيلي كن نزغا نزغا شو قلنا القرن ونسن في القرن ونسن وكنا خشودن سمض العرب نكوني نتما غنصن ذا ملون نظر العرب المغرب العربي أرحل إما شامر إسما ياس لطوال نور أفريكان ذاكن لافريك سال نوري نسيا في نسفح الميلي شد أمو سمر أكين أثبوها قارفن أن شكيك تيم سيرين يرد اسمك كان فلست مس حسن حرش ثواسا كينس إجرزن أود نصلض نكذ كمال أمارير إسيان مليل ذويلي ندي تدون ثواسي نيضن ذي أنجزن تلوين تقبلين مزيان سومثا أون دينير قيمة ذي تلويث